Bonjour monde et bienvenue à cette conférence sur le féminin et l'histoire en littérature jeunesse. Mon nom est Pierre Alexandre Bonin et je suis responsable de la médiation et de la sélection chez Communication Jeunesse. Communication Jeunesse est un organisme voué à la promotion de la lecture chez les jeunes et de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne depuis maintenant 50 ans. Donc pourquoi parler du rapport entre le féminin et l'histoire en littérature jeunesse En fait, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. D'emblée, de, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à l'histoire, et j'ai l'impression qu'en littérature jeunesse, on a peut-être certains stéréotypes ou certaines, euh, certains préjugés qui pourraient avoir la vie dure. Donc, j'ai décidé de voir de quelle manière le féminin. Euh, donc, quand on parle de féminin, évidemment, je parle des femmes, des filles autant comme personnage que comme créatrice, on va y revenir un petit peu plus loin. donc comment le féminin est représenté en littérature jeunesse, québécoise et franco-canadienne? Donc est-ce qu'elles ont la même place que les hommes dans les œuvres? Est-ce qu'elles sont aussi bien représentées en termes de créatrices Donc c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Ceci étant dit, je voudrais quand même préciser certains points de nature plus méthodologique pour qu'il euh, n'y ait pas de questionnement et d'interrogation par rapport au sujet de la conférence et aussi par rapport au corpus que j'ai choisi d'aborder. Donc, tout d'abord, ce n'est pas une étude exhaustive du corpus en littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne. J'ai dû faire plusieurs choix éditoriaux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un manque de temps. Euh, si, on passer, euh, si on veut passer 45 minutes bien remplies ensemble et non pas trois jours, j'ai dû me restreindre à certains choix dans les œuvres que je vais vous présenter. Ensuite, la période qui est couverte est tout de même assez vaste. On parle de près d'un siècle de production en littérature jeunesse. Donc, je n'avais pas le temps ni l'espace pour travailler tout ce corpus-là et justement le corpus lui-même est beaucoup trop vaste parce que j'aurais dû euh, passer tous les romans pour trouver les personnages tous les romans là aussi tous les romans et les albums pour passer les créateurs et les créatrices également et l'ensemble des documentaires qui ont pu être écrits sur des figures féminines donc c'était beaucoup trop vaste et malheureusement il y a plusieurs oeuvres qui sont euh, qui sont épuisées avec le temps donc je me suis restreint à un choix dans mon corpus ce n'est pas non plus une comparaison entre les hommes et les Femmes, je ne veux pas faire de rapport de force, euh, l'intérêt est vraiment de faire un portrait actuel maintenant d'avoir une idée de la représentation du féminin dans l'histoire en littérature jeunesse et non pas de comparer lequel a une plus grande place et lequel a une meilleure place ce n'est pas ça du tout et finalement mes choix euh, au niveau éditoriaux euh, ne sont pas des critiques envers les éditeurs envers les créateurs et créatrices euh, ou envers les collections qui sont mises de l'avant non plus je ne présente que des faits donc on va vraiment rester dans le domaine du factuel il n'y a aucun jugement de valeur de ma part Ceci étant dit, allons-y. Au cours de la conférence, je vais vous présenter trois blocs distincts. Le premier, les femmes comme sujets. On va aborder la biographie et le récit biographique. Deuxième bloc, les personnages féminins dans la fiction historique jeunesse. Et ça, ça va être que ce soit des créateurs masculins ou des créatrices. Troisième et dernier bloc, les femmes comme créatrices. Dans, euh, donc, comme créatrice de fiction historique jeunesse, évidemment. Alors, sans plus attendre, passons au premier bloc. Le féminin comme sujet. Dans ce bloc, je me pose la question, quelles sont les femmes dont on parle dans les biographies et les récits biographiques? En fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que le panorama des femmes présentées est assez varié. On retrouve autant des artistes que des écrivaines, des scientifiques, des sportives, des femmes politiques, des militantes. Donc, comme on peut le voir, le panorama, le portrait est assez varié quand même. On n'a pas seulement, euh, on aurait pu croire que c'était seulement des femmes qui ont participé euh, d'une manière très spécifique. Par exemple, on parle à des personnages historique comme par exemple Jeanne Mans, ou Marguerite Bourgeois, donc des fondatrices et des personnages qui font vraiment partie de l'histoire qu'on enseigne à l'école. Mais euh, je me suis rendu compte au cours de mes recherches que le portrait est beaucoup plus large que ça. Donc on va aller chercher des actrices, euh, donc des artistes justement, des actrices aussi, euh, des peintres, euh, des, des militantes. Donc c'est très, très varié. Euh, et elles sont présentes dans toutes les collections qui proposent des biographies ou des récits biographiques. Euh, donc moi, j'ai fait une certaine sélection que je vais vous présenter très bientôt, mais j'ai trouvé intéressant aussi de voir que toutes les grandes collections qui présentent des biographies ou des récits biographiques, historiques, comme c'est le sujet qui nous préoccupe en ce moment, donc les femmes sont représentées dans toutes ces collections-là, même si dans certains cas, il y a peut-être un peu moins de personnages féminins que des personnages masculins qui sont abordés. Donc les collections euh, que j'ai choisi de vous présenter, il y en a cinq au total, plus deux livres qui vont euh, compléter ma sélection. Donc la première collection, c'est Les Connais-tu aux éditions Michel Quintin. Donc celui-ci, c'est la version euh, tout en couleur. Donc il y a une version noir et blanc qui est un euh, format souple aussi, euh, qui est celui que je mentionne en bibliographie, que vous allez retrouver à la fin de la conférence aussi. Donc c'est du documentaire qui est illustré. Euh, donc, on a un peu de texte en bas. Je vais vous le montrer. On a le temps quand même. Je vais vous le montrer. Donc, on a des illustrations avec un peu de texte en bas. Donc, cette collection-là va présenter plusieurs personnages euh, historiques, justement, euh, dans leur contexte, vont remettre en contexte l'histoire de ces personnages-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait euh, pour marquer l'histoire, que ce soit, peu importe le domaine, son domaine d'activité. Ensuite, on a la collection Biographie en images. Aux éditions scolastiques. Dans ce cas-ci, comme vous pouvez le constater, c'est une collection qui se décline sous forme d'album. Donc, un peu comme les connais-tu, on va avoir un rapport texte-image très très présent. Donc, on va avoir des doubles pages illustrées avec du texte informatif. Il va y avoir des bulles de phylactères aussi. Euh, donc, des phylactères, un peu comme dans la bande dessinée qui vont présenter l'histoire, la vie et l'histoire de ces personnages qui ont marqué euh, notre histoire également. Ensuite, il y a la collection Bonjour l'histoire aux éditions de Lisatis. C'est la principale collection où on retrouve des euh, récits biographiques. Donc, ce n'est pas une biographie objective en tant que telle, c'est vraiment un récit, donc elle est romancée davantage, mais les informations sont tout de même factuelles également, euh, et on retrouve quelques illustrations en noir et blanc à l'intérieur, donc ça, ici, on est vraiment davantage dans le récit biographique. Ensuite, il y a la série d'Emmanuel Bergeron aux éditions Soulières. Euh, donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi quatre filles de caractère. Donc, la, la série euh, présente habituellement toujours quatre personnages et, et les personnages sont regroupés par thématique. Il y a de mémoire seulement euh, cinq sportifs de talent qui comme le titre l'indique, ne présente pas quatre, mais bien cinq personnages, parce que dans ce cas-ci, il y a deux sœurs qui représentent un personnage, d'où le titre qui a été modifié pour les besoins de la cause, mais sinon, c'est vraiment toujours quatre filles, euh, donc quatre filles en art, quatre filles de talent, etc. Et là aussi, ce sont des récits biographiques où on présente les quatre personnages mis de l'avant, avec illustration en noir et blanc à l'intérieur aussi. Donc là, on est davantage... Comme euh, Bonjour l'histoire chez Isatis, on est dans le récit biographique, c'est un peu plus romancé. Finalement, on a la euh, collection Nation Big Spirit d'hier à aujourd'hui aux éditions Orac. Ce sont des bandes dessinées biographiques, ce sont euh, vraiment là, le format BD avec, comme on peut le voir à l'intérieur, les cases euh, avec des phylactères et des encadrés aussi pour du texte de fiction. Donc là, on est dans la bande dessinée aux éditions Orac. Et là aussi, évidemment, l'histoire va être romancée. Dans le cas de Nation Big Spirit, en fait, on va prendre un personnage de notre époque. Qui va vivre une situation et qui va s'inspirer d'un personnage euh, historique pour résoudre la situation dans laquelle il se trouve. Pour terminer, euh, j'ai aussi trouvé deux anthologies biographiques récentes. Là aussi, dans le corpus, j'ai quand même fait des choix pour vous présenter les œuvres les plus récentes possibles et qui étaient pertinentes dans le cadre de ma conférence. Donc, la première anthologie biographique que je vous présente, que je veux vous présenter, c'est Nos héroïnes d'Anaïs Barbeau-Lavalette avec des illustrations de Mathilde 5 mars. Aux éditions Marchand de Feuilles, donc c'est une biographie qui a connu un très très grand succès, euh, une anthologie pardon qui a connu un très grand succès quand elle est parue à l'époque. Donc on présente une quarantaine de euh, personnages féminins, donc euh, quarantaine de, de, de femmes qui ont marqué l'histoire dans de courts portraits d'environ deux pages. Je vais vous montrer un peu le style. Donc par exemple, on a un style qui est très très rétro, euh, très vintage euh, et qui présente sur une page, le texte biographique et sur l'autre page, une illustration pleine page qui montre une, une représentation illustrée des personnages qui sont mis en scène. Et pour terminer, on a Les effrontés, port... l'histoire pas plate de 21 Québéco... Québécoises audacieuses aux éditions Les Malins. Donc, c'est. Euh... C'est écrit par Christine Renault et illustré par plusieurs illustratrices québécoises également. Donc, on y présente, dans ce cas-ci, je l'ai inclus quand même, mais ce ne sont pas tous des personnages historiques au sens propre. Ce que je veux dire par là, c'est que les euh, personnages qui sont présentés ne sont pas tous décédés. Il euh, y en a qui sont encore vivants. Euh, malgré tout, ce sont des personnages importants. Donc, par exemple, je vais donner juste un exemple. Euh, on, on présente euh, l'une des effrontées qu'on présente est Céline Dion. Donc, bien que Céline Dion soit encore en vie, on peut sans contredit affirmer qu'elle va avoir marqué l'histoire du showbiz québécois et de la chanson québécoise aussi avec le, le parcours de vie qu'elle a eu. Donc on peut quand même considérer que ces personnages là, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés, représentent tout de même euh, des personnages historiques. Donc cette fois-ci l'intérêt aussi c'est que on a vraiment des histoires donc les portraits sont plus longs un peu avec quelques illustrations et ce sont des histoires qui sont romancées. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on découvre l'identité, la fiche biographique avec les faits euh, biographiques et les faits euh, objectifs et euh, vérifiables des personnages, donc leur histoire, euh, sur une page avec euh, un, un portrait illustré également. Euh, donc, ce sont des anthologies qui présentent plusieurs personnages et dans les deux cas, ce sont des anthologies biographiques exclusivement euh, dédiées à des personnages féminins. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant de montrer. Euh, évidemment, il y a d'autres collections que j'aurais pu mentionner, mais euh, pour, par économie de temps, euh, j'ai choisi celle-là aussi. Mais n'hésitez pas à fouiller un peu. Euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres collections biographiques aussi qui présentent des personnages tout aussi intéressants et où la présence de de personnages féminins et de personnages historiques féminins et euh, est assez présente aussi ceci étant dit ce que je trouve intéressant dans les recherches que j'ai faites et dans les, tous les livres que j'ai consultés il y a déjà en partant les femmes sont moins représentées dans l'histoire d'un point de vue purement statistique les personnages féminins étaient minoritaire, donc on n'avait pas, c'était pas 50-50. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Ce sont des choix éditoriaux qui sont faits pour diverses raisons, mais on peut se permettre de constater que les femmes dans les collections de biographies historiques ou de récits biographiques sont relativement minoritaires. Et au sein de cette minorité-là, il y a d'autres femmes dont on parle peu ou presque pas. Je veux parler des femmes racisées et des femmes autochtones. Les femmes et les filles comme personnages, qui est le deuxième bloc qu'on va aborder ensemble. Donc, dans ce bloc-ci, je me demande quel rôle occupent les femmes et les filles dans la fiction historique jeunesse. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou on pourrait se dire qu'elles sont reléguées constamment au second rôle et que ce sont les garçons, les hommes qui sont mis de l'avant dans le roman historique jeunesse euh, ou dans la fiction historique jeunesse, eh bien, ce n'est pas le cas. Euh, donc parfois elles vont occuper le premier rôle, parfois elles vont elles vont être représentées comme étant des personnages secondaires, ce qui euh, est l'équivalent de ce qu'on retrouve dans la fiction non-historique donc dans les romans et les albums parfois elles vont avoir le premier rôle parfois elles vont avoir des rôles secondaires mais elles sont quand même bien représentées donc dans la fiction je vous dirais qu'on a tendance à avoir une meilleure représentation des femmes et des filles comme personnages dans un cadre historique donc habituellement aussi si le roman euh, s'il s'agit d'une fiction historique réaliste les personnages féminins vont correspondre au rôle que les femmes occupaient à cette époque. Donc, j'ai des exemples pour prouver mon point. Donc, Acadie adieu de Pierre Roy aux éditions Urtubise, qui porte sur la déportation des Acadiens au 18e siècle. Donc, pour vous donner une idée un peu de, de la situation des femmes pour l'époque et pour vous mettre en, vous mettre en situation l'intrigue un peu de ce qui va se passer, je vais lire la quatrième de couverture pour chacun des romans que je vais vous présenter. 1755. Pour Marie-Lisandre, une jeune acadienne, et Benjamin, un soldat anglais, c'est le coup de foudre au premier regard. Toutefois, l'heure est au chambardement. Marie-Lisandre voit son peuple brutalement délogé de ses terres par l'armée britannique. Tant sa famille que son entourage seront bouleversés par ce cruel exil. L'amour qu'elle éprouve pour Benjamin est cependant plus fort que tout. Avant d'espérer unir leur destinée, nos deux héros devront affronter un long périple de l'Acadie à la Louisiane en passant par les Carolines, l'Angleterre et la France. À travers les yeux de Marie-Lysandre et de Benjamin, nous découvrons la déportation des Acadiens et les profondes perturbations qu'elle a provoquées. Donc, comme on peut le voir, le personnage masculin est celui de Benjamin, qui est un soldat, donc il a un rôle plus actif, déjà parce de la manière dont il est défini, c'est un soldat, il va avoir un rôle actif, alors que Marie-Lysandre, elle, va être victime de la déportation des Acadiens et va être l'intérêt amoureux de Benjamin. Ce n'est pas un jugement de valeur non plus, mais à cette époque, les femmes n'étaient pas au premier plan d'un point de vue social et politique aussi. Elles s'occupaient de la cuisine, elles faisaient, donc c'est vraiment, c'était des tâches ménagères, ce qui, d'un point de vue purement réaliste, comme on est dans la fiction historique, est avéré. Donc, c'est un roman qui est réaliste. Et on voit que, euh, dans ce cas-ci, la narration est alternée entre marie lisandre et Benjamin. Donc, elle va quand même avoir un rôle central, malgré sa... Euh, Malgré son rôle historique, elle a quand même dans, le, dans la fiction elle va avoir un rôle plus central. Ensuite, on a l'autre enfant de l'oubli de Daniel Mativa aux éditions Pierre Tisser. Encore une fois, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous mettre en contexte dans l'histoire. Tête de Bosch. fritzouille, bochette, peu importe où se trouve Charlotte, une pluie d'insultes s'abat continuellement sur elle, comme un gros nuage rempli de grêlons qui la suivrait partout. La petite en a des frissons et le cœur tout cabossé. Et c'est sans compter les coups et les bousculades. Pourtant, Lotte ne cherche pas la bagarre. Elle n'a rien à se reprocher. Pas plus que ses parents disparus. Grand-mère le lui a raconté en lui faisant de longues nattes blondes. Papa est mort à la guerre. Et maman Ça, Lotte l'ignore. Grand-maman ne peut en parler sans que ses yeux se mouillent et grand-père ne veut même plus prononcer le nom de sa fille. Alors, Lotte se tait, ne demande rien. Et le secret grandit avec elle jusqu'à ce que la vérité éclate, ouvrant les portes closes sur un passé pas si lointain que tous voudraient oublier. Celui d'un monde en guerre avec ses héros, ses traîtres et ses amours interdits. Dans ce cas-ci, je vais ajouter un peu à la mise en contexte. Donc, Lotte, enfant de l'oubli, est la fille d'une Française et d'un soldat allemand. Donc, ça se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est l'histoire d'une enfant euh, qui est née de ce que plusieurs ont considéré comme étant une trahison parce que la France était occupée par les Allemands à cette époque-là et pour plusieurs raisons, qui ont toutes été documentées euh, dans plusieurs documentaires justement, et tout, donc pour plusieurs raisons, il y a des Françaises qui ont trouvé l'amour ou le réconfort auprès de soldats allemands. Et une fois la libération de Paris et de la France complétée, ces femmes-là, parce que c'était majoritairement des femmes, les hommes étaient davantage taxés d'être des collaborateurs, donc ont été accusés de sabotage, d'espionnage ou de collaboration avec l'ennemi, alors que les femmes, elles, on leur a reproché. Les relations amoureuses et les enfants qu'elles ont pu avoir avec ces soldats-là. Pourtant, les femmes ont subi le même sort que les hommes, donc ils ont été jugés euh, par un tribunal et ils ont été mis au banc de la société. Donc comme on peut le voir, et là dans ce cas-ci, Lotte est la fille d'une Française et d'un soldat allemand, donc on a, comme on a pu le voir dans la euh, quatrième de couverture, elle va chercher à comprendre son héritage et en savoir davantage. Évidemment, elle est victime un peu du contexte historique dans lequel elle a grandi, même si elle n'a pas cherché ce contexte-là, elle en est victime, elle va devoir se débrouiller avec ça. Évidemment, on aurait pu avoir un personnage masculin dans ce cas-ci, ça n'aurait probablement pas changé grand-chose, mais je trouvais, import... je trouvais intéressant que ce soit un personnage féminin qui soit au centre du récit. On poursuit avec Plutonium de Camille Bouchard aux éditions du Boréal. Encore une fois, je vais vous lire la C4 et on va... je vais revenir après ça pour davantage de mise en contexte. Marie-Louise part vivre chez son oncle dans le sud des États-Unis afin d'échapper à la Seconde Guerre mondiale qui fait rage en Europe. Installée à Los Alamos au Nouveau-Mexique, elle est malgré elle témoin de tests inquiétants qui se déroulent au milieu du désert. Que cache donc ce mystérieux projet Manhattan dont elle entend prononcer le nom À l'autre bout du monde, une jeune japonaise du nom de Yuriko voit sa vie chamboulée par une onde de terreur qui s'abat sur la ville d'Hiroshima. Les atrocités auxquelles elle assiste sont inimaginables mais ne sont que trop réelles. Donc. Plutonium s'inscrit dans la série du siècle des malheurs de Camille Bouchard, qui est une série qui présente euh, un personnage, Benjamin, dont euh, c'est lui qui va traverser le, le 20e siècle, l'histoire du 20e siècle, et tous les autres romans de la série présentent des personnages masculins, soit Benjamin, soit ses enfants. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que Marie-Louise est, euh, est la fille de Benjamin, donc c'est le seul roman où on va avoir un personnage féminin qui va être au centre du récit. Et dans ce cas-ci, même on en a deux, avec Yuriko qui va être sa correspondante japonaise. Donc, dans ce cas-ci, l'intérêt est de présenter un événement historique d'un point de vue subjectif. Donc, Marie-Louise et Yuriko vont faire part de leurs impressions dans une correspondance entre les deux, ce qui permet à l'auteur de présenter euh, les événements historiques et de porter un certain jugement sur les événements historiques aussi, comme il le fait avec ses autres romans. D'ailleurs, l'année dernière, euh, dans le cadre de ma première conférence, dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Québec, j'avais présenté Pistolero de la même série de Camille Bouchard. Donc, c'est encore la même méthode qui est utilisée. Cette fois-ci, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait deux personnages féminins qui étaient mis de l'avant plutôt qu'un personnage masculin qui est normalement au centre du récit. Alors dans ce cas-ci, il se retire au second plan pour laisser la place à sa fille. On va terminer ici avec Histoire de Galet de Marie Cadieux, illustrée par François Dimberton aux éditions Bouton d'Or d'Acadie. Encore une fois, je vous lis la C4. Une histoire de courage et de fraternité. Martin est un adolescent normal vivant à Dieppe, mais la guerre fait rage et son pays, la France, est occupé par les nazis. La cohabitation est difficile et les conditions de vie précaires. Logé chez Madame Agnès, une vieille dame débrouillarde et dégourdie, Martin sera entraîné malgré lui dans le terrible Second Conflit mondial et fera une rencontre qui bouleversera sa vie. Dans ce cas-ci, je l'ai choisi parce que le personnage euh, féminin est... Un personnage secondaire et c'est une vieille femme, une vieille logeuse française qui va aider le personnage de Martin. Euh, en fait, elle va jouer un rôle très très important dans l'histoire de Martin. Donc, même si elle est un personnage secondaire, je voulais montrer qu'il y a une possibilité pour ces personnages-là d'être mis de l'avant et d'avoir des actions importantes. Évidemment, euh, on va avoir, euh, comme c'est la Deuxième Guerre mondiale en France occupée, c'est une histoire de. Euh, de rébellion. Donc, on va avoir la résistance française qui est mise de l'avant et on va apprendre que madame Agnès, là, je vais brûler un punch ici, vous m'excuserez. Donc, madame Agnès fait partie d'une certaine manière de la résistance et elle va entraîner Martin avec elle. Donc, on voit aussi le rôle que les femmes, même les femmes âgées aussi, parce que souvent, on a tendance à croire qu'une fois passé un certain âge, les femmes ne participent plus à la société. Alors, je trouvais intéressant de montrer sur ce, euh, ce roman graphique où Madame Agnès est une vieille femme, justement, euh, qu'on décrit comme étant débrouillarde et dégourdie. Donc, un personnage, un personnage féminin qui a une part importante à jouer dans l'histoire. Et quand je parlais de rôles féminins traditionnels dans le cadre de romans historiques, il y a évidemment des exceptions. Et l'une d'entre elles que je veux vous présenter est Maddie Maud », roman de Camille Bouchard dont je vous ai présenté Plutonium il y a quelques instants, et aux éditions Québec-Amérique. Je vais vous lire la C4 encore une fois. « Le destin de Maddy maude était tout sauf prévisible. De petite fille bourgeoise, elle devint dame de l'ombre, une prostituée dont l'intelligence et la détermination feront d'elle l'une des femmes d'affaires les plus influentes du Far West. Dans l'attente d'une attaque imminente du général Pancho Villa et de son groupe de rebelles mexicains, Maddy maude raconte sa vie et ses choix. » Sexe, drogue, fusillade et contrebande, qu'est-ce qui aurait su freiner sa quête de richesse et d'indépendance? À travers des personnages authentiques et des événements marquants de l'histoire des États-Unis et du Mexique, découvrez une héroïne singulière qui, même dans l'ombre, est parvenue à influencer le cours de la politique et du commerce. C'est quand même pas rien pour un personnage qui, normalement, au Far West, on s'entend qu'habituellement, des histoires qui se passent dans l'Ouest américain comme ça, au temps de la colonisation, ce sont les histoires de cow-boys, les filles sont maîtresses d'école femme à la maison ou prostituée mais reléguée au second plan. Euh, donc elles vont danser le French cancan dans, le, dans la taverne, dans le saloon, un peu comme on voit dans Lucky Luke justement. Euh, où on retrouve ces types de personnages féminins-là dans la conquête de l'Ouest. Alors qu'au contraire ici, Maddy Mode est au centre. Non seulement elle est au centre de l'intrigue à une époque où les femmes avaient de la difficulté à prendre place, mais en plus, elle est une commerçante et elle va influencer, d'après la C4, elle influence le cours de la politique et du commerce, ce qui est quand même pas rien pour un personnage féminin qui est une fiction, mais malgré tout, euh, on voit qu'il est possible pour les femmes de sortir de leur condition historique euh, et du rôle dans lequel elles auraient normalement dû être dévolues. Il y a une autre, un autre type de euh, fiction historique que je veux aborder et qui sont ceux qui relèvent de l'imaginaire. Dans ce cas-ci, je parle de, euh, de romans soi qui intègrent le fantastique, qui intègrent la fantasy qui intègrent la science-fiction. Donc, des Uchronies, qui, se, euh, qui sont des récits où on prend un événement historique et qu'on change le déroulement de l'événement historique en question et voir les conséquences que ça a eues. Une des Uchronies les plus fréquentes, c'est, et si les Allemands avaient gagné, et si les forces de l'Axe avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, que se serait-il passé Donc, ça, ce sont des Uchronies. Donc, tout ça relève de l'imaginaire et il y a plusieurs romans. Qui, euh, historiques qui ont pour cadre euh, justement l'imaginaire, particulièrement en littérature québécoise. Donc, je voulais vous en présenter deux parce que dans ces fictions historiques-là, règle générale, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais règle générale, les personnages féminins sont davantage des personnalités fortes et, des, et va, vont avoir des personnalités fortes et vont se révéler être des personnages frondeurs et déterminés. Et en plus, elles vont détonner par rapport à leur époque. Ou alors, si elles ne détonnent pas, en fait, si elles viennent de notre époque, elles vont se retrouver dans une époque différente et le clash qui va avoir entre les deux époques va alimenter l'intrigue. Pour donner un exemple que tout le monde va reconnaître dans la littérature adulte, c'est le cas de Claire, le personnage de Outlander, qui se retrouve, qui voyage dans le temps de 1945 à l'Écosse du 18e siècle, où on va vraiment avoir un clash entre sa, euh, ses perceptions et ce qu'elle ce, ce, ce qu vit dans la société britannique de 1945 et la société écossaise du 18e siècle. Donc, évidemment, j'ai des exemples aussi. Donc, je commence avec la série Nelly de Sylvie Payette aux éditions Québec-Amérique. Euh, la série Nelly compte plusieurs tomes et plusieurs hors-séries. Donc, là ici, je vous lis la, 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 la quatrième de couverture du tome 1. Vivre dans un monde de princes, de balles et de belles robes, c'est le rêve de plusieurs. Mais pour Nelly, ça devient la réalité. Nelly Aubert traverse accidentellement l'espace-temps lors d'un orage. Elle se retrouve dans un Québec à la fois familier et différent. Même lieu, même jour, même heure, mais un tout autre univers. Un univers qui possède aussi ses côtés sombres. La rouquine devra s'adapter rapidement à ce monde parallèle où, du haut de la montagne, une famille royale règne sur Montréal. Nelly saura-t-elle survivre aux injustices, aux rébellions, à l'amour, et surtout revenir auprès de sa famille, son aventure ne fait que commencer. Donc, je suis content d'avoir pris l'exemple d'Outlander parce que c'est exactement la même chose ici en format jeunesse. On a un personnage qui part de notre réalité à nous et qui va être transporté dans le temps. Donc, ce n'est pas de la science-fiction parce qu'il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, et on ne s'intéresse pas aux lois de la physique qui rendent ça plausible ou non, on est vraiment davantage dans le fantastique, parce qu'elle va traverser l'espace-temps durant un orage, et elle va être confrontée à une réalité historique différente. Donc, on a un personnage qui vient de notre réalité, notre époque, qui va être transporté dans une, une époque des colonies où là, cette fois-ci, la monarchie semble avoir été instaurée. Donc, elle va devoir naviguer à la fois dans une réalité qui n'est pas la sienne, qui est une réalité parallèle, mais dans une réalité historique qui est différente aussi. Donc, elle va devoir se débrouiller avec des connaissances historiques. Qui ne lui serviront pas exactement. Donc, quand je vous disais tantôt le Clash dont je parlais, c'est un excellent exemple. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est Lucie Wolver Wolverine de Sandra Dussault, également aux éditions Québec-Amérique. Je vous présente la quatrième de couverture du tome 1. Et pour l'instant, il y a deux tombes de sortie. Euh, le deuxième tome vient de sortir tout récemment. En passant par cette porte, tu trouveras ce que tu cherches, mais aussi ce que tu n'as jamais cherché. Féroce et irascible comme le carcajou, Lucie dix 17 ans, sent la colère bouillir en elle depuis qu'elle a été arrachée à la communauté Crie dont elle est originaire. À Québec, en 1907, vivant du fruit de ses vols, la jeune femme se moque des autorités aussi bien que des hommes corbeaux qui sillonnent la ville la nuit. Quand la possibilité de perpétrer le coup du siècle se présente, elle est prête à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Même si ça implique de se rendre sur l'île d'Orléans, siège d'une forteresse où se retrouvent les plus dangereux criminels de la cité. Donc, comme on peut le voir, nous ne sommes clairement pas dans notre réalité à nous, puisqu'il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de forteresse. Pour euh, emprisonner les gens sur l'île d'Orléans. Euh, donc on est vraiment dans une réalité alternative, on est dans un univers plus fantasy avec les hommes corbeaux qui sont vraiment des espèces de monstres hybrides. Donc on est dans une réalité. On est dans le domaine de la fantasy, mais dans un cadre historique qui est celui du Québec, où on va retrouver plusieurs éléments connus euh, que les gens qui ont déjà fréquenté la ville de Québec ou les gens qui y habitent justement vont reconnaître plusieurs des éléments mis en place par l'auteur. Dans ce cas-ci, euh, c'est vraiment un personnage. Donc, Lucie, normalement, est une adolescente qui devrait soit être à l'école dans un pensionnat, ou qui devrait déjà avoir... Elle est, donc, elle a 17 ans, elle devrait déjà être mariée et tenir maison. Ou alors, comme elle est un, est un personnage autochtone, normalement, elle aurait dû être auprès des siens, donc justement, à apprendre les traditions de son peuple, mais elle y a été arrachée. Donc, c'est vraiment un personnage qui détonne des personnages historiques. Que je vous ai présenté, si on pense par exemple seulement à Lotte tantôt. Euh, donc, c'est vraiment un personnage qui est très très frondeur, qui a un front, qui a du front autour de la tête. C'est la meilleure voleuse de, de la ville de Québec et probablement du Québec tout entier. Donc, ce n'est pas une petite fleur fragile et ce n'est pas un personnage qui correspond au rôle traditionnel féminin du début du 20e siècle, comme on pourrait retrouver dans un roman historique davantage réaliste. Troisième et dernier bloc, le temps passe vite en bonne compagnie, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, les femmes comme créatrices. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les sujets qui sont abordés par les autrices de fiction historique pour la jeunesse. En fait, avec les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que... Contrairement là aussi à ce qu'on aurait pu croire, où on aurait pu se dire que les femmes qui écrivent de la fiction historique vont s'intéresser peut-être à davantage quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du, euh, du personnel. Donc elles n'iront pas explorer les grands événements. Ou si elles le font, ça va être d'une perspective plus personnelle, plus intérieure. Et au contraire, elles vont, euh, elles s'intéressent à un large éventail de sujets, d'événements, euh, donc qui passent de l'individuel au collectif, de et de l'intime au public. Le meilleur exemple de cette différence là. Et de ce spectre-là, c'est deux romans euh, écrits par des, euh, des autrices, donc Dix Jours de Brigitte Hupin aux éditions de Bayard Canada. Je vais vous lire la quatrième de couverture. À la rentrée scolaire de 1978, Anya est appelée à rédiger son plus beau souvenir de vacances. Mais seuls les douloureux épisodes d'un voyage en camion avec son père, un homme colérique et imprévisible, lui reviennent en mémoire. Ce périple de dix jours entre Vancouver et Montréal a ébranlé la jeune fille qui, depuis la séparation de ses parents, ne voit son père que l'été. À son retour chez elle, de nouvelles déceptions attendent Dania, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite l'amène à se redéfinir et à s'affirmer la musique des Sex Pistols. Avant de commenter, je vais passer au deuxième roman que je vais vous présenter, qui est Voyage au bout de l'exil de Simone Dubé aux éditions Soulières. Quatrième de couverture, encore une fois. 1755. Déportation des Acadiens. Jacques Leblanc refuse de partir et s'enfuit dans les bois. À demi-mort, il est secouru par des Micmacs. Grâce à leurs soins, il se rétablit, mais une flèche de Cupidon l'atteint en plein cœur. Retenu captif lors d'un passage à Louisbourg, il s'évade. En chemin, il est attaqué par une ours. Il la terrasse et adopte son ourson. Avec lui, il traverse la Nouvelle-France en guerre pour retrouver sa mère. Dans sa quête, il est soutenu par ses amis Micmacs qui lui ont appris à affronter les dangers de la forêt. Amour, aventure et retrouvailles, le tout truffé de rebondissements bien servis par une écriture nerveuse. Voilà les ingrédients d'un roman à dévorer. Comme on a pu le voir, Dix jours va nous présenter une histoire qui est très personnelle, donc celle d'Ania, qui, le, en fait, la seule raison pour laquelle on considère que c'est un roman historique, c'est le cadre dans lequel ça se déroule. Donc ça se passe en 1978, ce qui, pour les lecteurs visés par ce roman-là, euh, et clairement du domaine de l'historique. Parce que les lecteurs visés sont adolescents. Donc, on s'entend qu'ils sont tous nés après, de, après les années 2000. Et pour eux, 1978 fait partie non seulement d'un autre siècle, mais même d'un autre millénaire. Donc, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est bel et bien un roman historique. Et c'est une quête très personnelle qui est celle d'Ania qui va se découvrir à travers la musique d'un groupe punk, euh, dans les années, à la fin des années 70. Au contraire, je vais le mettre de l'autre côté. Au contraire, dans Voyage au bout de l'exil, bon, d'emblée, on a un personnage masculin au lieu d'avoir un personnage féminin. Mais le cadre historique lui-même, on change complètement. Cette fois-ci, on est de retour avec la déportation des Acadiens, comme on l'a vu tantôt avec Acadie à Dieu. Donc, on est dans un événement historique majeur qui est du domaine du collectif parce que ça a affecté plusieurs personnes. Ça, ça a affecté un peuple au grand complet. Euh, et on a un personnage justement qui va vivre plusieurs aventures et tout. Donc, ce n'est pas qu'une quête à la recherche de soi et de son identité. On est vraiment, il recherche sa mère, mais en même temps, il est dans la Nouvelle France, qui est en guerre contre les Anglais. Euh, on est vraiment à l'aube de la conquête. On est quelques années avant la conquête, donc on a un euh, on a un décor qui est beaucoup plus large aussi, beaucoup plus grandiose. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport au roman de Brigitte Hupin. C'est seulement une constatation que il y a toute une différence entre un road trip et les premiers jours d'école d'une jeune adolescente et les aventures d'un adolescent en Nouvelle-France au moment de la déportation des Acadiens. Mais comme on peut le voir, ce sont deux créatrices, deux univers complètement différents, et évidemment entre les deux. On va retrouver d'autres combinaisons aussi, mais c'est juste pour montrer l'originalité et la diversité des propos et des points de vue adoptés par les créatrices, donc qui vont se moquer de tous les stéréotypes et qui ne se contenteront pas de raconter l'intime et de raconter euh, des événements qui vont marquer un personnage seulement. En plus du roman historique réaliste, j'en avais déjà parlé tantôt, le roman historique de, du genre de, dans l'imaginaire, donc j'ai présenté Nelly et Lucie Wolverine. Je vais aussi présenter l'héritage du Camille de Valérie Harvé aux éditions Québec Amérique. Donc, je vais lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée un peu euh, à quel point on peut jouer entre l'intime et le collectif aussi. Alors, l'héritage du Camille. Déterminée et audacieuse comme sa mère, Tatsumi est la digne descendante de sa célèbre famille, les héritiers de la magie du feu. Avec son frère jumeau Mikio, elle passe son enfance à s'entraîner, fréquentant de près ceux qui dirigent le territoire. Mais une vérité se taire en elle et mettra Tatsumi, mènera Tatsumi sur des chemins insoupçonnés qui pourraient bouleverser l'avenir de l'île. Donc, comme on a pu le voir dans la quatrième de couverture, on mélange à la fois le collectif et l'individuel. Donc, le destin de Tatsumi et celui de son frère Mikio dans une moindre mesure, mais aussi celui de sa famille et le destin de euh, de l'île où ils habitent aussi. Parce que ce qui est intéressant, ce qui n'est pas mentionné dans la quatrième couverture, c'est que l'univers de Valérie Hervé se déroule dans un Japon médiéval, mais qui est teinté de fantasy. Donc on a des pouvoirs magiques et tout, mais elle s'est vraiment basée sur le Japon médiéval. Donc le cadre historique et recherché, et euh, donc elle a fait beaucoup de recherches pour ça aussi, mais elle lui a donné une teinte fantasy qui permet d'avoir des pouvoirs magiques, mais comme on a pu le voir, la quête des personnages va être à la fois de l'ordre de l'individuel et du collectif, et ça va avoir des impacts sur l'ensemble de la population aussi. Étonnamment, euh, j'avoue que ça, j'ai été surpris un peu, euh, je ne comprends pas pourquoi, mais on retrouve peu d'albums historiques qui présentent des, des, des faits historiques, même si c'est un genre qui se prête très très bien à la fiction historique. J'en ai deux à vous présenter. Donc, j'ai Sergent Billy, de Mireille La vraie histoire du chevreau devenu soldat, de Mireille Tessier, illustré par Cass Reich, aux éditions de Attis. Donc, la quatrième de couverture, comme c'est un album, ça va être un peu bref. Donc, la vraie histoire d'un brave héros de guerre qui était un chevreau. Et c'est effectivement basé, donc comme le, le sous-titre l'indique, c'est vraiment basé sur des faits véridiques. Euh, le sergent Billy qui était une chèvre, et c'est un régiment de soldats Saskatchewanais qui vont adopter une chèvre Billy comme mascotte, et ils vont tout faire pour l'amener avec eux jusqu'au front. Ils vont la cacher dans une caisse, euh, donc ils vont et ce sont vraiment des faits avérés. À la fin de l'album, il y a des photos. Euh, donc comme on peut le voir, l'album se prête très très bien à ces histoires-là. Dans ce cas-ci, on mélange encore une fois quelque chose qui est plus du domaine, plus individuel, plus intime, un peu, donc l'histoire de la chèvre, on est dans le mignon, mais en même temps dans un cadre qui est beaucoup plus large, qui est celui de la Première Guerre mondiale, et du rôle que les animaux ont joué dans les deux conflits mondiaux aussi. Le deuxième... Album que j'ai envie de vous présenter, c'est Afriqueville de Shanti Grant et Eva Campbell dans une traduction de Josephine Watson aux éditions Bouton d'or Acadie. Je vous lis la C4. La quatrième de couverture, en fait. Au cours d'une visite au lieu historique d'Afriqueville à Halifax, en Nouvelle-Écosse, une jeune fille se remémore toutes les histoires qu'elle a entendues raconter dans sa famille. À quoi la communauté ressemblait-elle autrefois? À la fin de sa rêverie, la jeune fille s'arrête devant le cadran solaire où le nom de son arrière-grand-mère est gravé dans la pierre, puis va rejoindre sa famille au retrouvail annuel d'Afriqueville. Afriqueville est une communauté noire dynamique qui s'est épanouie pendant plus de 150 ans en Nouvelle Époque, en Nouvelle Écosse, pardon, en Nouvelle Écosse, malgré le manque de services essentiels. La ville de Halifax a démoli ce quartier dans les années 1960, un événement tragique marqué par l'injustice et la discrimination raciale. On l'a vu récemment aux informations, dans les, dans les actualités aussi. Euh, on, a collaboré, on a commémoré le centenaire du euh, massacre euh, qui s'est déroulé de mémoire en Alabama, je crois. Euh, donc, il y avait un quartier noir très riche aussi, très, très prospère et développé, qui euh, a été complètement rasé aussi. Donc, c'est une histoire qui est douloureuse, oui. Une histoire qui peut nous paraître honteuse. On n'a peut-être pas le goût de la remettre de l'avant. Mais ça fait partie de l'histoire et on se doit de commémorer les événements plus tragiques de notre histoire aussi. Euh, il y a beaucoup d'albums que j'aurais pu choisir aussi, effectivement, sur la, les questions autochtones, sur l'histoire des pensionnats aussi. Il y en a eu plusieurs euh, qui ont été faits. Donc, comme on peut le voir, l'album se prête particulièrement bien aussi à aborder des événements plus tragiques, des événements plus négatifs, qui ont une consonance plus négative, mais pour lesquels on a un devoir de mémoire. Et ces albums-là permettent de se rappeler, de se souvenir pour ceux qui en ont été victimes ou qui subissent encore les contre-coups aujourd'hui, que ce soit dans le cas d'Afriqueville, la population noire d'Halifax ou les Autochtones qui ont vécu les pensionnats, mais aussi de faire découvrir ce pan de l'histoire-là aux enfants, aux jeunes lecteurs et lectrices alloctones et euh, blancs. Donc, ça permet de, 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 de montrer et d'expliquer ces événements-là aussi. Et l'album est vraiment le médium idéal pour le faire. Donc, c'est un peu surprenant de constater... Qu'il n'y en a pas davantage d'albums historiques, mais je tiens à préciser que cette situation-là n'est pas propre aux créatrices. C'est vraiment généralisé. Donc, il n'y a pas plus d'albums écrits par des hommes euh, en fiction historique et tout. C'est vraiment un manque qui est généralisé. Donc, c'est vraiment l'album historique. De façon générale, au Québec et au Canada francophone, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, oui, mais qui abordent des sujets euh, plus spécifiques et tout. Donc, il y a quand même de la place. C'est une niche qui peut être développée encore aussi. Et je veux terminer ce bloc-là. Il me reste encore un tout petit peu de temps. Euh, donc je veux terminer le bloc avec euh, en mentionnant le fait que un autre stéréotype qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que les autrices vont n'écrire que de la fiction ou des romans avec des personnages principaux féminins. Parce que, comme on a pu le voir, avec entre autres Camille Bouchard, pourtant les hommes ne se gênent pas pour avoir des personnages féminins ou masculins. Euh, donc on pourrait croire que les femmes vont peut-être plus se concentrer sur le domaine de l'intime. Donc le domaine de l'intime habituellement est plus relié aux personnages féminins. Et pourtant, n'est pas du tout vrai. Donc je vais vous montrer encore une fois deux exemples qui vont briser ce stéréotype. Le premier, c'est Henri et moi de Cécile Gagnon aux éditions LeMEAC. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Pendant la deuxième guerre mondiale, un jeune homme du lac Saint-Jean s'engage comme recrue. La mort de son meilleur ami, tombé au front, ébranle toutefois ses convictions morales et le pousse à fuir à l'armée. Pour échapper aux spotters qui recherchent les fugitifs, il se terre dans une caverne nommée le trou de la fée. Il y passera de longs mois avec pour seul compagnonnage les bêtes de la forêt et surtout un livre, Walden ou La vie dans les bois. Ce récit d'Henry David Thoreau l'incitera à apprivoiser tranquillement la nature environnante jusqu'à ce qu'un profond bouleversement s'opère en lui. Je ne suis plus celui que j'étais, constatera-t-il, jusqu'où le déserteur poussera-t-il sa désertion. Donc, ce romancier est intéressant parce qu'il renverse les codes qu'on pourrait associer au roman historique tel qu'écrit par des créatrices, par des femmes. Non seulement c'est un personnage principal masculin, mais on est dans le domaine de l'intime aussi. C'est un déserteur qui va. Avoir une réflexion et qui va, avoir une, qui, va, qui va partir à la découverte de son identité, de sa, de sa morale lui-même, justement aussi, et qui va en ressortir transformé. Oui, on a un arrière-plan qui est plus collectif, qui est plus grandiose avec la Deuxième Guerre mondiale et tout, mais on est quand même dans le domaine de, du personnel et de l'intime plutôt que dans le collectif. Contrairement à ce qui était le cas dans Sergent Billy, par exemple, où on est avec un régiment complet et dans le cadre de la Première Guerre mondiale, donc on voit que les autrices aussi peuvent s'amuser avec, euh, avec les cadres euh, de la fiction historique. Et en terminant, je veux vous présenter Diberville contre Vents et Marées de Magali Fabre aux éditions du Boréal. La dernière quatrième de couverture. À une époque où Montréal s'appelle encore Ville-Marie, le petit Pierre rêve déjà de suivre les traces de son père et de servir la Nouvelle-France. Dès qu'il en a l'occasion, il s'entraîne à manier le mousquet, apprend à parler la, les langues autochtones et surtout à naviguer et à faire des portages. Commence alors une vie aventureuse, de coureur des bois à explorateur, de corsaire au service du roi de France à, un ennemi, à ennemi redouté des, France, des Anglais, d'Iberville sillonne le continent de la baie James à la Louisiane. Il croit sur son chemin Joliette, Frontenac, le baron indien de Saint-Castin et les chefs hurons, Algonquins et Abénaki avec lesquels il négocie de précieuses, de précieuses alliances. Le lecteur découvrira avec émerveillement les rives majestueuses du Saint-Laurent, des rapides indomptables, les contrées inhospitalières du Nord et les bayous de la Louisiane. Il découvrira surtout en d'Iberville un héros à la mesure du continent. Cette fois-ci, on a un héros historique. Avéré, donc un personnage historique euh, d'Iberville qui, qui a effectivement existé et dont l'autrice reprend la vie pour nous offrir un, une version plus romancée un peu de ses aventures, de sa vie, de ce qu'il a fait, de ses accomplissements aussi. Donc on a un personnage historique masculin qui est repris par une créatrice et on va avoir un peu comme tantôt le roman sur la déportation des, des Acadiens au cœur de l'exil. Euh, donc on va vraiment avoir. Un personnage masculin qui va vivre de grandes aventures, mais sous la plume d'une autrice plutôt que d'un auteur avec ce qui aurait pu être ce qu'on s'attendait. Donc, on va déjouer les stéréotypes et on va déjouer les codes. Et ce qui est une excellente chose, on ne se le cachera pas aussi. Donc, c'est quand même intéressant de constater que les créatrices ne se gênent pas et ne se euh, ne se restreignent pas, ne se censurent pas quand vient le temps de proposer des œuvres de fiction historique. En conclusion. Les femmes et les filles sont relativement bien représentées dans la littérature jeunesse historique, même s'il y a des lacunes, comme on l'a déjà montré, donc les femmes et les filles racisées, ainsi que les femmes et les filles autochtones. Les personnages féminins ont leur place dans la fiction historique et ne sont pas que des stéréotypes ambulants. Évidemment, ça... Toute cette conception-là a changé avec le temps aussi. On pourrait faire, une... je pourrais refaire complètement ma conférence en m'intéressant à la représentation du féminin dans la littérature jeunesse des années 80, 70, 60. Je pourrais choisir une autre période et le constat serait complètement différent. Probablement qu'on aurait davantage de stéréotypes liés à l'époque à laquelle ces romans-là ont été écrits. Heureusement, on peut se dire que maintenant, au XXIe siècle, dans les années 2020, même dans les années 2010-2020, donc à la période où les œuvres ont été écrites, les personnages féminins, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont bien développés et ne sont pas des stéréotypes ambulants. En terminant, je voudrais mentionner euh, qu'il est important d'inclure les femmes et les filles dans notre rapport à l'histoire, non seulement pour un souci de représentativité, parce qu'elles composent tout de même 50% de la population mondiale, donc elles ont quand même participé et été des témoins importants de notre histoire, mais aussi parce qu'elles font partie intégrante de cette histoire-là et qu'elles ont le droit de savoir le rôle qu'elles ont joué ou d'avoir de, des modèles. Qu'ils soient fictifs ou réels, de femmes qui ont su marquer leur histoire et notre histoire. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, même si c'est en virtuel. Euh, donc, on va se croiser les doigts pour que je fasse une troisième apparition au Rendez-vous d'Histoire de Québec l'année prochaine. Et cette fois-ci, qui sait, ce sera en présentiel pour notre plaisir mutuel. Merci beaucoup. Bonne journée.